Salut tout le monde, ici c'est Yoko pour une nouvelle partie sur FF13. Hop, sauvegarde 5. Normalement je crois que c'est toujours en haut en fait, hein. Je me prends la tête pour rien, bah ouais. Bref. On y go, on est juste de retrouver Lightning. Quand même une sacrée plus-value dans l'équipe pour le moment, en tout cas comparé au reste. Bah, disons que c'est bien de faire monter la jauge de combo, mais si c'est pour galérer après à random à faire diminuer la vie, c'est un peu embêtant. De la merde. Bon, c'était complet. Non, pas du tout. Ok. Toi, 2, 4, 3, 4, 2, 3, 1, 1. Ok. Ah, c'est quoi? Quant à toi. Alors, 1, 4, 2, 3. Il restait plus que ça. Ok. Voilà. Oh, il y a deux machins, deux danseurs. Voilà, on va leur casser la gueule. Comme ça, c'est fait. As I was getting used to that. Bah, traverser c'est easy, mais bon. Donc, ça nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est de l'expérience, des thunes, des objets. On va juste surveiller nos HP. Quand même. Ouais, apparemment c'est vraiment les attaques physiques qui ralentissent la barre de choc. Hein. Bah après, ouais, enfin quand on y réfléchit, c'est logique en fait. La barre, enfin les sorts magiques faisant monter rapidement la barre de choc, c'est très rapide à redescendre. Par contre, les attaques physiques, c'est ça fait quasiment pas grimper la barre, donc ça descend doucement. Je suppose que quand il y a le mix des deux, bah, ça ralentit.
Ok. Bagardante, je suppose que ça protège des sorts de feu. Exactement. Ouais, je suis chiant que le Crystarium, mais bon. Oh putain, l'arnaque. On va aller à la tour en fait. Ah non, j'ai menti. Ok. Bah, je préfère le faire monter rapidement parce que quand je vois des fois la galère que c'est face à des ennemis bidons, j'ai toujours un peu peur face au boss. Toi, tu me parles autrement déjà. J'hésite à acheter quelques potions, mais j'ai encore de la marge donc ça va quoi. Y'a pas d'objet qui traîne. Regardez la stratégie. Est-ce qu'on démarre comme ça? Ouais, c'est en ravageur. And that's bad for us, isn't it? J'aime bien. On vient de voir Hope s'esquiver sur le côté discretos, je sais pas si vous avez vu. Revenant en arrière, on voit Hope qui se barre au moment où le boss se déploie quoi. Putain mais quelle lâche. J'aurais peut-être dû faire acuité. On va faire assaut furieux parce que sinon la barre elle va jamais monter. Voilà, si ça peut aider nos équipiers à frapper plus intelligemment, je dis oui. Apparemment pour l'instant il est concentré sur notre ami. What? I thought we were goners. You all right? I think so. Incoming. Putain, mais ils aiment bien les boss en plusieurs parties, hein. Résiste à la magie et aux assauts physiques, d'accord. Ah,
out. Je suis en train de me défoncer. Paf. Voilà. Ça t'apprendra. Bon là faut le casser la gueule par contre. Apparemment en un tour ce sera possible. C'est vrai que bon, j'y suis allé un peu comme un bourrin, mais on va essayer de faire râler un petit peu sa tête là. Parce que bon, on peut peut-être pas faire. On peut peut-être pas moins subir de dommages, mais enfin, on peut quand même en causer beaucoup plus. On y retourne. Je vais tenter, mais j'ai peur que ça descende super vite. Putain la vache, ça fait tellement mal. Conneries. Plutôt plus du tout de bonnes armes. Hein. J'essaye de bourrer mais j'ai peur de regretter. Merci. Ok. Virage Lenora. Lightning a désormais accès au rôle de soigneur. Saz a désormais accès au rôle d'attaquant. Ça, enfin, ça pourra être pratique. Surtout pour Saz. Pulse is crawling with things like that, isn't it? Got me. Not even the Corps has access to intel on Pulse. Soldiers in the field fight blind. Yeah, I noticed that. But don't you need to know exactly what you're up against? Target's a target. You like to keep it simple, don't you? I stick to my goal. As long as you have a goal, you can fight? You can stay alive. Ah, ça y est, c'est la partie qui va être utile. Vous pouvez améliorer vos armes et accessoires à l'aide de matériaux depuis les terminaux de sauvegarde. Pour cela, oui. Après avoir choisi l'option améliorer, sélectionnez l'arme ou l'accessoire à modifier, puis le type de matériau et la quantité à utiliser. Il ne nous reste plus qu'à valider pour attribuer à la pièce d'équipement l'expérience correspondant à la combinaison choisie. Quand une pièce d'équipement a acquis suffisamment d'expérience, son niveau augmente et son efficacité est améliorée. Certains matériaux octroient un bonus multiplicateur d'expérience, ce qui permet d'améliorer plus rapidement la pièce d'équipement qui en bénéficie.
A l'inverse, il en existe certains qui réduisent les bonus d'XP. Il est donc primordial de bien choisir les matériaux à utiliser. Les pièces d'équipement qui ont atteint leur niveau max sont marquées d'une étoile, mais nombre d'entre elles peuvent alors être transmutées en un objet différent grâce à un matériau spécial. Il arrive que ce nouvel objet ait des caractéristiques inférieures au précédent, mais il renferme un potentiel supérieur qui se révélera au fur et à mesure que vous augmenterez son niveau. Nous pouvons également démanteler les pièces d'équipement dont on n'a plus besoin. Il existe plus de 100 matériaux différents, dont certains ne peuvent être obtenus que par le démantèlement de pièces d'équipement. Réunissez-en le plus possible. Ouais. Ok. Donc c'est ce que je vous disais pour améliorer son équipement, mais je vais vous le montrer dès qu'on atteint un point de sauvegarde. Ah bah ouais, merde. Ah ouais, attaquant. Ah ouais, ça aussi. What? T'es sérieux là? 380, la vache, j'avais pas vu. Moi, si j'avais su, j'aurais pas tout cramé. Quel idiot. Attends, mais moi, je suis où dans cette histoire-là? 220, quoi. Par contre, quand on arrive là, qu'est-ce qui nous attend? Ah, c'est ça, les niveaux de rôle, en fait. C'est ce qui va nous faire évoluer notre truc, ok. Mais si je me mets en soigneur. Putain, même là, c'est 220, quoi. Mais la vache. Pète un boulon. Et si je reste là-dedans. C'est un truc de fou quand même d'un coup comment ça augmente. Est-ce qu'on tentait de rester en attaquant? Catapultage, voilà, ça c'est bien par contre. Quand on l'aura appris, vous allez voir. Donc on projette l'ennemi en l'air quand il est en choc et du coup ça nous permet de faire des combos de ouf tant que l'ennemi est en l'air. Mais quand il est en l'air, il en faiblesse entre guillemets et il prend beaucoup plus de dommages, enfin de dégâts. Du coup, il faut profiter de ces attaques-là pour maintenir l'ennemi en l'air le plus longtemps possible, quoi. Et franchement, ça permet des fois de faire des combos de ouf, quoi. On va rester en soigneur pour le coup. C'est un truc de dingue quand même. Le nombre que ça demande, quoi, c'est ouf. Oh, foudre. Bien, on pourra prendre feu 2, ça c'est pas mal. Ok. J'ai quand même hâte d'avoir un point de sauvegarde, juste pour essayer de voir un peu ce qu'on peut faire déjà pour le coup en amélioration. C'est qu'on a quand même plus aucun ennemi, quoi. Ah, mais il y a un point de sauvegarde. Ça, c'est... Ok. Boutique, on va regarder déjà la nouvelle. Ah bah voilà, forcément. Donc, ce sont tous des objets donc qui vont nous permettre d'améliorer nos armes. Bon, pour l'instant, ça coûte un bras, donc on pourra pas. De mémoire, les améliorations, je crois que ça coûte aussi de l'argent à vérifier. Ou juste les objets. Alors, quelle arme va-t-on améliorer? On va améliorer le Gladius. Hein. Force 25, 13, 15, 15. Donc vous voyez, ils ont des points d'expérience. Et donc là, on choisit l'objet. Donc les objets comme ça, c'est assez rare. Bon là, apparemment, c'est un objet qui va servir pour faire évoluer une arme ou un accessoire. Là vous imaginez quoi, là je craque tout mon stock, ça ne fait que 90 XP quoi. Et donc là on a combien 20...
25, 13. Ok, donc là on gagne un peu plus. Oh! On va s'arrêter là. Donc là du coup comme j'ai amélioré que l'arme de base, elle est devenue meilleure que cette arme là. Mais elle me coûtait beaucoup moins cher en... J'ai pas gagné grand chose hein, comme vous pouvez le voir, mais ça me coûtait beaucoup moins cher en expérience en fait. Bon bref voilà, je vous ai montré, je vais pas trop cramer d'objets, j'ai un peu regardé sur le net, voir un petit peu les trucs à... qu'on peut optimiser histoire de le faire intelligemment. Parce que... ma première partie j'avais tendance à faire un peu nawak et du coup je me retrouvais très vite à court d'objets et c'était ennuyeux. Du coup les stratégies juste pour rigoler. Attaquant. Comme ça, de toute façon les stratégies là on va pas trop se prendre la tête avec. Les équipes ayant tendance à changer assez vite apparemment. Not much of a future for us, huh? Hard to picture a happy ending. We don't even know where to go. I do. Huh? There. Eden? The Sanctum Seat of Power. Oh, that's a great idea. Just charge right in there. Give him a taste of Lassie Terror. You're serious? Keep running. It's die or turn Seath. There's no place for Lassie to hide. No. They want to fight. Let's take it to the Sanctum's door. This isn't a game. No. That's for damn sure. Started with Sarah, the Falcee took her. Now I'm a Lassie too. And the Sanctum's hunting me, an enemy of the state. But who's pulling their strings? A Falcee. Eden. Cocoon's sustainer and guiding light. It probably ordered the purge too. Pulse and Sanctum Falcee, they're all the same. And we're all the same to them. Expendable. I'm not dying a Falcee slave. So, what are you gonna do? Destroy it. By yourself? What, are you crazy? Say you pull it off, hmm? What's that get you? Satisfaction? Something happens to Eden, it's lights out cocoon. You want that? You're a postless sea now, so you just want to snuff out Cocoon. No! What about Sarah? She said to save Cocoon. It might even be our focus to make sure Cocoon's... Our focus doesn't matter. I don't take orders from Falcee. How I live is up to me. Don't you mean how you die? Think like that, and it's already over. Better to pick your path and keep moving. Don't worry. I'm after the Sanctum. I'm not out to destroy the world. If it did come to that,
Wonder if our hero would try to stop me. You want to fight snow now? Just like that and your enemies? Next time we meet, we might be too. When the fear sank in, it tore us all apart. Lightning was suffering, reaching out to us, but none of us could see it. Snow deserves it. If only I'd been stronger, none of this ever would have happened. I don't know what I should do. That makes two of us. Whoa! Hey! You're taking care of me! Well, it won't be if you keep pushing me like that. Wait for me! I'm going with you. I can't babysit you anymore. I can fight. I'm not afraid. Great. A SCICOM hit squad. Ah bah maintenant on n'est plus qu'à deux. Merde. Oh, je l'ai fait évoluer aussi lui parce que... Soigne un coup là parce que... Army's out to play. What now? What now? I mean, we could stay here, but shouldn't we... Run? Huh? We should run. If we rush in now, we'll just get in her way. You know, you're right. I guess. I mean, it's not like lightning needs any help. There'll be more soldiers. We should keep moving. Lightning? Are you worried about the others? I'm sure they got away, okay? So can you if you leave now. With me, it'll be fight after fight. I don't know how it'll end. It's anybody's guess. I know that. But I need to be stronger. Lightning. Call me Light. What's the plan from here? Through the Gap or Whitewood to Palampolam. We'll find transport to Eden. I live in Palampolam. I can show you all the shortcuts. No side trips. No need. I don't think Lassie are welcome at home. Okay. Donc maintenant on a Light et... You spot something? Trouillard.
Du coup, bon, ça on peut le faire, mais non, c'est pas ça. Je suis pas sûr que ça sert à grand chose. On va peut-être faire. Bah non, ça sert à rien. Pareil. Ok. Bon, on va essayer de s'en sortir comme ça, hein. Mais ce sera la prochaine fois, étant donné que un petit point de sauvegarde qui est très bien placé pour une fois. Non, je vais d'abord acheter avant de quitter. Ouais, on annule. Je vais acheter quelques potions parce que j'en ai quand même cramé à mort. J'ai combien de thunes ? Ouais. C'est pas beaucoup, mais. Du coup, je sais plus où je dois sauvegarder dans cette histoire. 5.47. 5.17. Voilà. Et pef. Voilà. Donc moi là-dessus, je vais vous laisser. Portez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine pour la suite du Let's Play. Allez, bye.